Francky Vincent, c'est 47 ans de musique, plus d'une vingtaine d'albums best-of compris. Une carrière qui débute en groupe avec Tabou numéro 2 au milieu des années 70, qui se poursuit en solo début 80 avec les succès qu'on connaît. Voyez de l'eau, Le Lolo, Pina Colada, Positif, Manzel Lola, Nijivir et autres tombeurs. Un personnage qui ne laisse pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a choisi une image particulière et un registre spécial dont il ne s'est jamais démarqué. Francky Vincent fait recette aux Antilles, mais la consécration arrive avec le succès national et même international du titre « Bruit de la passion », paru en 1991 sur l'album « Alice ça glisse ». Salut à tous et bienvenue à bord de ce nouveau rendez-vous de l'antenne télé de Guadeloupe, la première histoire d'un tube. Notre invité est Francky Vincent et on est ravis de l'accueillir. Bonjour Francky. Je vais m'applaudir un tout petit peu quand même. C'est important. Je suis tout seul sous l'affaire, quoi. Francky, tu fais de la musique depuis maintenant... on va dire que tu viens de commencer parce que tu es toujours aussi jeune, on ne comprend pas comment tu fais, mais ça tu nous l'expliqueras après. J'ai un secret. Fabuleux secret. Pourquoi on fait de la musique, Francky Vincent? Parce que c'est une passion, d'accord, mais on fait de la musique pourquoi? Pour faire un tube, pour faire des tubes? Quand on fait de la musique au départ, c'est une folle passion. Ouais. C'est une folle passion qui m'a envahi. J'avais des prédispositions ancrées, ouais, que j'ignorais. Ah bon? Et que j'ai pu découvrir après. Et c'était l'agréable surprise. Et puis, on n'a pas le succès escompté tout de suite. Donc, il y a un défi, il y a un grand défi. Et j'ai pu surmonter tout ça, ouais, franchir les barrières et arriver à être un artiste connu et reconnu, une valeur sûre. Et je sens toute la fierté que tu as en disant ça, c'est très bien. Alors, tu l'as dit toi-même, ta carrière est déjà bien lancée. Quand ce tube arrive, en 1991, Fruit de la Passion, tu as déjà fait... Le Lolo, tu as déjà fait Voyer de l'eau, tu as déjà fait Mlle Zaza, Mlle Lola et une infinité d'autres tubes. Il y avait Akamaman aussi. Akamaman. Mm-hmm. Et donc, en 91, il y a Fruit de la Passion qui arrive sur cet album Alice ça glisse, je crois. Et qu'est-ce qui change? Pourquoi celui-là dépasse les frontières? Celui-là, avant de dépasser, il faut savoir que l'artiste fait un choix. L'artiste, ouais, se dit, écoute, on pense marketing, on se dit, j'ai une chanson, et cette chanson-là, c'est cette chanson-là qui va plaire à tout le monde, qui va faire l'unanimité, c'est Alice ça glisse. Mmh. J'étais persuadé que Alice ça glisse serait mon hit, ouais, et à vie, mon grand hit à vie. Eh ben non, quand on a présenté cette chanson à un directeur artistique dans une maison de disques qui s'appelle Arcade, mmh, le directeur artistique a dit à mon producteur exécutif, celui qui m'a pistonné, ouais, écoute-moi, la chanson Alice ça glisse, c'est pas ça le tube. C'est Fruit de la Passion. D'accord. Alors bon, c'est ma chanson, c'est aussi mon bébé. C'est comme si tu as 2, 3, 4 bébés, ouais, et on te demande quel bébé tu préfères. Bon, t'as envie, enfin enfant, je dirais pas, ouais, bébé, mais ouais, enfant. Ouais, ouais. Voilà. Bon, donc j'ai choisi Alice ça glisse, certes, ouais, mais c'est Fruit de la Passion qui faisait l'unanimité, mmh, dans la maison de disques. Et la maison de disques allait investir 300 000 euros au niveau de la promo. Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. Et alors, on aimerait quand même savoir comment ça te vient. Même si tu mises tout sur Alice ça glisse, bon, c'est Fruit de la Passion qui fonctionne. Comment ça se passe, la composition de ce titre? D'où ça te vient? J'étais en pleine copulation, hein. Je faisais l'amour. D'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas copulation, c'est ce que ça veut dire. Ou fornication, je ne sais pas. C'est Francky Vincent. Tout va bien. Toujours sexe. Oui. Non, mais c'est vrai, c'était comme ça? Oui, oui. C'est-à-dire, nous faisions l'amour. Ouais. Et à un certain moment, ma partenaire, elle est partie dans un grand délire. Vas-y, Francky, vas-y, vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y. J'avais ma guitare à portée de main comme ça. J'ai pris la guitare. Tu as tout arrêté? J'ai plaqué. Oui, oui, forcément. Oui, oui, parce que l'inspiration est là, oui, et plus rien n'existe. Rien d'autre n'existe. J'ai pris la guitare, j'ai plaqué 4 accords et j'ai trouvé le refrain. Vas-y, Francky, c'est bon. Et hop, quand j'ai terminé ça, j'ai continué ce que nous avions entamé et que nous devions terminer. Quand même. Et après, quand elle est partie, j'ai pris la guitare et j'ai fait les couplets. Et là, pour le plus grand bonheur du monde, je me disais, voilà, j'ai un futur hit parmi tant d'autres. Alors, en sachant que j'avais déjà choisi Alice ça glisse. On dit joindre l'utile à l'agréable, là, on est en plein dedans. Hein.
Ah ben oui, mais c'est ça mon métier. Hein, tu te souviens un petit peu du refrain, bien sûr, personne ne l'a oublié. Et alors, les couplets, moitié créole, moitié français quand oui, même. Oui, j'ai commencé à chanter ça en créole parce qu'il fallait... Ben, c'était quelque chose un peu pont. C'était un peu bridge, pont pour moi, parce que j'allais vraiment m'installer en France. Mm-hmm. Enfin, j'avais décidé de m'installer en France et de conquérir toute la francophonie. C'est pas seulement les Français de France que je voulais séduire. Mm-hmm. Je voulais aussi partir à la conquête des francophones. C'est-à-dire être sollicité au Luxembourg, mm-hmm. en Suisse, dans la partie francophone de la Belgique, et séduire aussi le Canada, le Québec. Le Québec. Mm-hmm. La compagnie créole avait déjà fait le nécessaire, mm-hmm. mais pour la compagnie créole. D'accord. Donc, et moi, j'avais ce souci premier de séduire tous les francophones. D'accord. Donc, du coup, le français. Mais depuis le début, parce que moi, je suis un grand fan de la première heure, et depuis le début, même le Lolo, tout ça, déjà, tu chantais déjà en français. Oui, je glissais quelques phrases en français, certaines chansons, oui. Mais après, avec l'album Alice ça glisse, il y avait Fruit de la passion, il y avait le Tourment d'amour qui était en français, et que j'aimais beaucoup. Mais avant ça, avant tout ça, j'avais chanté Ton confort en français, par exemple. Et oui, hier soir, on s'est couché. Pas plus tard que minuit, super bien dans ton lit, tu m'as comblé de gâterie. Il fait chaud à Paris, on le sait. Cette nuit de folie. Bon, on est quand même là, je vous l'avais dit de toute manière, on pourrait en faire mais vraiment des tonnes avec Francky Vincent, mais bon, Fruit de la passion, souvenez-vous, c'est ça. Chez sentiments, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Des tubes, moi je t'en souhaite encore une infinité, Francky. Il y en aura d'autres. Je sens que tu n'as pas fini de nous surprendre. Oui. Et puis, quant à nous, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle histoire d'un tube. À très bientôt.